Pourquoi je suis aux Agora? D'abord parce que j'ai été invité. Et je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant. Je trouve unique. Je n'ai pas vu d'autres ARS qui faisaient ça. Et je trouve intéressant dans la façon avec laquelle on peut débattre tout secteur professionnel confondu, à la fois du sanitaire, du médico-social, mais également du monde des associations, des usagers. Je trouve qu'on est dans une forme de démocratie intelligente qui donne son sens. On voit bien que le sujet de la, non pas du soin, mais le sujet de la santé, c'est quelque chose qui doit se construire à partir des territoires et de la vraie vie. Et donc c'est avec les acteurs qu'on est capable de le contacter, de le construire, à la condition qu'on puisse pouvoir échanger, réfléchir ensemble. Et je suis passé à un certain nombre d'ateliers. Je trouve qu'on est vraiment dans la vraie réalité, dans la vraie usage et dans beaucoup d'innovation. C'est-à-dire que les gens s'écoutent et essaient de se dire comment on peut construire, ou plutôt même co-construire, parce que c'est pas que construire entre professionnels de santé, c'est co-construire avec également les usagers un système de santé qui soit un système de santé performant. Et ce qui m'a frappé également, c'est que l'idée, c'est qu'en même temps, on n'abandonne personne, c'est-à-dire que ce soit ouvert pour tout le monde et qu'on pense bien aux plus vulnérables qui doivent plutôt mettre notre priorité de la structuration de nos réflexions. Voilà. Donc je trouve que c'est des moments extrêmement riches. Je suis très impressionné de l'organisation. On sent que c'est très, très performant et que ça doit donner des idées à d'autres.